est-ce donc quand elle droguait? Durungol mon to kite durungol a beston koro on be dan tindina on do hala durungol mon ya kite durungol da you lay over quand il y a deux choses qui arrivent, il y a deux acteurs, à deux produits, donc c'est de bien cibler la chaîne de valeur sur laquelle on va intervenir. Ça c'est très important. Min biyeteemi ko Ousmane Diamanka, ngoddaami ko région Kolda communauté rurale Tankanto Escale. E ɓen minen dilla e fedde aynaakooɓe wiyeteende APS. Mais atelier hannde addi minen ɗo, minen ngari ɗo Richard Toll fi atelier yiɗde faamondirde hakkunde nde ɗo fedde holno dillirta e golle mum hannde fedde wiyeteende Grec. Ɗum ɓuri minen ɗo addu. Hinnde min mi heɓi ɗo geɗel gootel mbeltiningel kam e puis wonani kam kiram ha meynomi tawat ɗum inin ɓurini yaajde. Ko ɗum woni ko weltinimi ko mi yehi ha mi yii ko gaynako si wallama seeɗa tan kañ hoore mum tan e wawi wurde hoore mum tawa ɓattake goɗɗo boom goɗɗo wallani mo. Gaynako hoore mum tan e wawi wurde hoore mum si yiitani hoore mum peeje ɗe wawi jogade tawat fawaki wurde mum nde hay goɗɗo. Holliri minen yeru oɗo absel kolliɗo ɗo o no ɓe liggotanin e ɗo ɗo dagana ɗo e famille ji ɗi ɓe liggondirtanin ɗi e golle ɗe no ɗe jaarini vraiment ɗum ɗo ɗum wonani mi sunnu meynomi boom tawa haɗani e dagana tan meynomi taw ko Sénégal piiw ɓe mbaɗi intervenir tawana e nder région Saint Louis tan tellement avantage o ko woodi wonani kam kira meynomi tawa haɗani. Guillaume Bastard, le représentant du GRET au Sénégal. Le GRET est une ONG française qui existe depuis 1976 et qui est partenaire de l'APES dans le cadre de la mise en œuvre notamment du projet GALO, hein, donc gouvernance associative et leadership organisationnel des organisations d'éleveurs. Dans le cadre de ce projet, nous avons organisé à Richard Toll un atelier de synergie, de mise en synergie des différentes actions dans la filière laitière dans le département de Dagana. Et donc dans ce cadre-là, je viens de faire une présentation d'un autre projet que nous avons qui s'appelle ASTEL, et qui vise à renforcer la production laitière dans le département de Dagana. La principale contrainte que nous rencontrons dans l'exécution de ce programme, bon, d'abord ça a été assez long de parvenir à trouver la bonne stratégie adaptée aux communautés d'éleveurs, car nous sommes dans un contexte avec ses réalités sociopolitiques, avec ses réalités économiques, ses réalités climatiques également. Par exemple, l'année 2012 a été marquée par une très grosse sécheresse. Donc ça impacte directement sur la mobilité des éleveurs, sur leur capacité productive bien entendu. Et donc partant de là, nous derrière nous sommes venus intervenir dans des situations parfois plus compliquées que ce qui avait été anticipé lors de l'élaboration du projet. Ça c'est une dimension. La deuxième chose c'est que le contexte sociopolitique de Dagana est marqué par une multitude d'organisations d'éleveurs très active d'un point de vue de plaidoyer, de défense des intérêts des éleveurs, mais finalement peu ou pas active sur le service en tant que tel, le service à la production. Et donc nous avons eu affaire à pas mal d'interlocuteurs avant de trouver la bonne méthode, hein, et aujourd'hui nous sommes obligés quelque part de porter nous-mêmes la dynamique centre de service de proximité, parce que justement les organisations qui étaient dans la zone n'étaient pas prête ou en tout cas pas motivée, hein, à apporter cela. Je pense que justement sur ce point-là, avec la PES, nous sommes en train de trouver des terrains d'entente très favorables, hein, à la durabilité de ces dispositifs.